Il me rend malade ce truc. Hello les crâniens, je suis de retour. Mais me revoilà, je suis de retour. Avec un nouveau casse-tête. C'est le cast Nutcase de chez Huzzle, noté 6 sur 6. Autrement dit, je vais en chier. C'est parti. Oh, je m'attendais vraiment pas à ça. Chez Huzzle, on a toujours ce beau matériel en métal, c'est vraiment beau. Ce casse-tête peut être exigeant et difficile. Il requiert précision et intuition. Pas comme d'hab, quoi. Comme d'habitude. Allez, let's go. Le but est d'enlever une pièce qui se trouve dans le casse-tête. Et pour enlever cette pièce, la solution qui me vient à l'esprit est d'enlever les deux extrémités. Il y a des fentes sur le long, celle-ci c'est une vraie, mais celle-ci c'est une fausse parce que c'est encore soudé. Et ce système, ça fait très fort penser au premier casse-tête d'Imiter Legend, le secret de Da Vinci. Pour réussir, il fallait superposer des pièces amovibles. Ici, les pièces amovibles sont les écrous. Et une fois bien placées, ça permettait d'ouvrir le mécanisme. Mon idée est augmentée grâce à une autre de mes expériences, le casse-cylinder. Dans les deux pièces circulaires, il y a un système de rails avec des creux qui permettent de faire glisser les pièces centrales. Et ces pièces circulaires, ce sont les écrous. Je vais me baser dorénavant sur cette théorie pour résoudre le Nutcase. On peut voir que les deux pièces ici se séparent. Mais pas ici. Là, il n'y a rien qui se passe. Je pense pouvoir voir le trou. Je peux voir le creux dans le rail. Celui-ci, je vais le mettre là. Et maintenant, c'est autour du nut. Ah, ici, c'est plus compliqué quand même. J'ai moins d'espace. La fente se trouve là. Et on va essayer toutes les positions. C'est peut-être moi. Mais j'ai l'impression que le trou ne se trouve pas sur le case. Mais se trouve légèrement décalé. Je vais réessayer. Peut-être que le case, je dois le mettre plus vers le bas. Pareillement pour l'autre. On est bien d'accord, hein. Dire d'ici. J'ai l'impression que le creux ne se fasse pas ici, mais commence à partir de là et finit un peu plus loin. On va réessayer comme ça. Ouh, j'ai du jus ici. J'ai l'impression d'avoir un truc. Ça me rend fou. Mais vous êtes fou. Nutcase en anglais, ça signifie un écrou. Mais ça peut aussi signifier un fou, un cinglé. Quelle étrange coïncidence. La voir la fente. On se trouve là. Ça bouge cette merde. J'ai profondément envie de le balancer sur le mur. Et vu la dureté du truc, c'est le mur qui va morfler. Mais il me rend malade ce truc. On va utiliser la technique de la gravité, hein. Je sais pas, qu'est-ce que je fais. Il me vénère celui-ci. Là, il s'enlève. Je sais pas. Est-ce que c'est cette pièce-ci ou c'est cette pièce-là qui est bien mise? Non, non, il bouge quoi qu'il arrive. J'ai pas l'impression qu'il bouge parce qu'on l'a bien mis. Attends, mais il faut que j'enregistre ça. Attends, dans ma cervelle. Oh. On va lui faire faire un tour complet. Lui, c'est pareil. Oh, voilà.
Oh mon dieu. J'en pouvais plus vraiment. C'est plus ou moins l'idée que je m'étais mis. Hein. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Et voilà à quoi ressemble l'écrou. C'est exactement ce que j'avais vu, c'était les trous. Waouh. Waouh. Je comprends pourquoi ils ont dit précision et intuition, mais surtout la précision, c'est une question de millimètres quoi. Oh mais c'est des tarés les gens qui ont fait ça, vraiment. Allez, c'est bon, je vais pouvoir le remballer ce truc. Ouais, voilà. C'est fini. Difficulté 5 sur 5. Mes précédents d'expérience m'ont certainement aidé à trouver le bon mode de fonctionnement. C'est pas pour autant que j'ai eu facile. Hein. Pour son appréciation, 3 sur 5. Bon point pour le matériel comme d'habitude chez Ezel. Par contre, les grincements et les différents blocages, moi ça mérite. Ma satisfaction pouvait sembler grande, mais intérieurement, c'était plus de la délivrance de la souffrance que j'ai eue. Parce que mentalement et même physiquement, j'arrivais à mes limites. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, mais ça veut pas dire que je vous ai laissé de côté. J'ai eu 4 déménagements en moins de 2 mois, mais là c'est enfin fini. C'est fini. Certains m'ont posé la question si j'allais continuer la série Mythes et Légendes. Et oui, je compte bien la continuer, j'attends juste de récupérer mes castels pour pouvoir poursuivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lirai tous. Si vous souhaitez m'aider, mettez un like ou partagez. Ça m'aide à être mieux référencé sur internet et c'est le meilleur support que je puisse recevoir. Voilà, pour l'instant j'en peux vraiment plus. Je vous dis à bientôt. Every puzzle has an answer.